Bon, on va continuer cette dernière session de live de ce stream. On est parti. Donc cette fois, on a compris l'objectif. Il nous faut un autre objet scientifique, à savoir une banque de données. On va mettre ici. Putain, c'est des gros balous, hein. Not enough gold to complete this construction. Je me demande si je devrais pas déplacer justement les trucs. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. On va avoir des nouveaux enquêteurs qui vont se pointer. Voilà. Ça coûte combien une banque de données? On avait dit 15 000, hein. Ok, bon, on va s'approcher des 15 000 petit à petit. Ok, des enquêteurs sont arrivés. Voilà, ils sont combien? Ils sont combien, les vilains? Donc pour le moment, on n'en a repéré aucun. Elle doit se faire chier. Tiens, je me demande combien on a généré avec le truc là. Je sais pas si on peut le voir ça. Combien on a généré avec le casino? Ok. You're running out of gold. Oui, je sais. Maybe steal some from the world. Alors, machination, construction, ouais. Vous avez maintenant assez d'énergie pour construire. You've run out of power. Et zut. Bon, on va continuer d'agrandir. Hein. Not enough gold to complete this construction. Voilà. Attends. J'ai repéré des enquêteurs là. Find that intruder and kill them. Oh. It's what I trained for. Ouf. Oh, il one shot avec son poing. Oh putain. You're running out of gold. Maybe spend less or steal more. Voilà, on va se faire un petit peu des générateurs supplémentaires. Bon, la chambre forte, elle est bien comme elle est. Je pense que si je dois faire des étages sur le temps, je mettrai plusieurs chambres fortes. Comme ça me permettra de dispatcher un petit peu mon or. Yeah. Ok. C'est plutôt pas mal tout ce bordel, hein. Encore des enquêteurs, ouais.
Il y en a combien? 50 encore? C'est que ça, les enquêteurs. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, ils ont beaucoup de vie. Voilà. Alors, ce qu'on va faire déjà, hop. On va essayer de tous les distraire les uns après les autres. Si on peut les distraire un petit coup. Ok, bon, c'est bien. Donc on arrive à les distraire un peu, c'est cool. Je pense que si leur détermination tombe à zéro, ils nous foutent la paix. Hein. You're running out of gold. Can maybe steal some from the world. Bien. Alors, projet de recherche, on avait dit. Il nous faut un peu d'argent, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ok. Pognon, pognon, tout à fait. Il nous faut les 20 000 ici. Là, c'est trop chaud d'y aller en vrai. 40, on a combien? On est à 11, on va pas prendre de risque ici, 40. Il y en a un là, il est à combien? Là, il est à 24. 54, non. On va essayer de récupérer le plus vite l'argent là avec ces deux machinations. J'espère qu'ils ont réussi à se débarrasser de cela. Bon, il a une suspicion de 3, je pense que ça aurait pu être pire. Là, grâce au valet, on s'en est bien tiré. On est plutôt bien. Et vous êtes 6, hein. Je vous remercie à tous d'être là. C'est pas le plus grand, c'est pas un jeu, le plus grand des jeux, mais bon, on fait au mieux. Donc on est pas mal. Alors on est pas mal en indice. On a 70 bires. Ah, alors de nouveaux enquêteurs qui vont nous tomber dessus. Ah là là. Donc là c'est niveau 3. Là c'est niveau 2. Donc là niveau 3 on pourrait le réserver pour des opérations ultimes. Oh yeah. Oh, il y a un niveau en dessous. Ah, je l'avais pas vu ça. A scheme has succeeded. Eh ben c'est parti, let's go. Research has begun.
Ouais, j'avais pas vu qu'on avait un rez-de-chaussée. Alors, Michemouche, c'est normal, il n'y en avait pas à l'époque. Ils avaient décidé de faire une base plate, mais là, dans le 2, ils ont poussé cet avantage-là. Ce que je trouve pas déconnant. C'est plutôt pas mal. Bah ouais, ça te permet de faire une construction un petit. Ça te paraît mieux déjà de gérer la construction que ta base, je pense. Genre en bas, tu peux planquer des pièces secrètes ou en hauteur. Et la base classique, c'est un truc normal, quoi. Bon, je surveille un peu ce qui se passe. Ils sont à 13% là. Alors toi, tu vas y passer. On la donne moins. Et hop. Ni vu ni connu. On a 42%, 43, c'est bien, ça grimpe vite. On récupère pas mal d'argent en plus. Je me demande s'ils ont prévu qu'on ait plusieurs bases dans le jeu. C'est une supposition, hein, mais pourquoi pas. Après, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein. On fera avec. Là, on est à combien? On est à 17. On va récupérer de l'argent aussi, là. Yes! Se renseigner sur le Havoc plus 1. Vous avez dû suivre les rumeurs et les pièces les plus folles et même solliciter l'intuition limitée de vos sbires, mais vous avez enfin ce qu'il vous faut, le Havoc, ou du moins une partie, ça reste un bon début. Obtenons la récompense, bien sûr. General, we have located Havoc, or part of it. They were so scared of its power, they disassembled it. Part of it? Yet? I don't want part of it! I cannot take over the whole world with only part of Havoc. Fine. I have built greater victories on less. Send my troops. Tell them it is time to die bravely for Ivan. Gaining the information depleted our forces, sir. If we attack now, we would lose. Then build me forces. Steal loot. Defend my lair. Non, ça serait peut-être de défendre la base, voler le butin, obtenir le Havoc, ça serait cool. Alors, débloquer des nouveaux types de sbires, trouver des plans annexes de butin. Bon, on en a déjà fait deux. Allez, un général! Tout à fait, Michemush. Comme dans Taxi. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur qui le fait le commissaire. Alors justement, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a une recherche qu'on va faire tout de suite. C'est celle pour augmenter les réseaux au niveau 2. Bon. Au moins on a déjà deux nos objectifs de près. On doit encore déverrouiller des nouveaux types de sbires. On n'en a que 4 sur 6, donc je pense qu'on peut en avoir d'autres. Et on va voir si on peut les trouver sur la carte de domination mondiale, tiens. Ça doit se trouver, hein, logiquement. Parce que là, on a un truc pour avoir des archives, là. Des plans annexes de butin. En faisant ça, à mon avis, on va les gagner. Ok, déjà. On n'a même pas commencé. Ah ok, c'est parti. Le scientifique s'y met là.
J'ai combien de scientifiques d'ailleurs? J'ai 36 bières. Ouais, ça suffit pas. Hein. On va rajouter des casiers ici. Voilà, déjà tout ça. Plus on aura de sbires, mieux c'est. Toi, t'es mort. Voilà, excellent. Oh, on a plein de plans annexes qui sont tombés, ça c'est bien. Mercenariat. Gérard Gilbert, c'est Bernard Farcy. Merci Moumon pour ton info. Donc là, on aura nos deux prochains sbires. On aura le mercenaire qui a un sbire avancé de niveau force. Et on aura le sbire mondain. Oh, c'est bien ça. Parce que 6 scientifiques, là, à l'heure où on parle, c'est trop peu. On va monter à 8. Donc là, on a 45% de recherche, c'est pas mal. Là, on est en train de former des nouveaux scientifiques, c'est cool. Je crois qu'il est encore vivant, lui, hein, j'espère. Je dis pas de bêtises, mais il me semble qu'il est encore vivant. Tiens, on a perdu un petit peu la trace d'Eli, il est où? Monsieur Barracuda Junior, là. Ouais, il est vivant, ok, c'est cool. Je crois qu'il doit avoir 60-70 ans, un truc comme ça, facile. Là, on a 62% de recherche, c'est bien. Donc là, on doit établir de nouveaux réseaux criminels. On en a 6 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux en avoir encore combien? Un de plus. Donc là, il va falloir qu'on augmente notre puissance d'émission au moins à 10. Ouais, pourquoi pas. Terminer 5 projets de rang 2 pour terminer ceci. 72 ans, ouais. Ouais, j'étais pas loin. Où ça? Locked and loaded. Oh putain, il y a one shot. Alors avant, dans le premier Ingenious Mishmush, je sais pas si tu te souviens, mais on ne pouvait pas... On ne pouvait pas utiliser les Evil Genius pour se battre. Maintenant, oui. Ça, je trouve que c'est bien. Tu me conseilles Three Kingdoms, Kaiser? Je te le conseille, Mishmush, à la condition que tu apprécies que tu aies un mode soit historique ou romancé, donc les héros d'un côté en solo, ou en mode historique, les héros avec des régiments de cavalerie, ou comme des gardes du corps. Le jeu est très poussé sur la diplomatie, donc il faudra que tu fasses attention. Ça va demander, beaucoup, beaucoup plus d'attention. Et Troy, tu aimes bien? Ouais, il est pas mauvais, Troy. Hein. Il est malheureusement bâché par la communauté.
comme Throne of Britannia. Après, bon, si t'as, après t'as aussi le DLC, t'as aussi, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de variété. Bon, c'est la Chine. Hein. Les unités se ressemblent parce que bah, c'est le peuple de Chine. Mais t'as aussi les Nanman qui sont arrivés en extension. Et je pense qu'ils vont pas s'arrêter la Creative Assembly. Pour moi, je pense qu'il y a encore de la place pour d'autres cultures. Je pense que le prochain DLC Three Kingdoms, si la logique se fait, ils vont alterner entre les cultures et les chapter pack, donc les DLC de période, on va dire. Alors, est-ce que je peux améliorer mon réseau au niveau 2 bientôt? Oui. Alors, on a terminé une machination, ça c'est cool. Shogun, il est bon, mais je l'ai pas joué malheureusement. Ouais, ok. Alors, si je détruis un... Alors, attends. Parce que la puissance d'émission, on la trouve comment, ça? Il m'en faudra un autre de truc d'émission là. Alors si je fais ça, admettons. Et là je pourrais pas le faire malheureusement. J'essaie de caser une station relais là-dedans. Alerte générale! Alerte générale! What to do? Mobilize it, Bertrand. There's an intruder here! Kill them! J'ai tous les Total War, mais celui-là j'ai hésité, mais je pense pas que je vais le prendre. Tu parles de Troy ou de Three Kingdoms? What next? Bah, franchement, après tu fais ce que tu veux, mais je trouve que tu passes peut-être à côté de quelque chose parce que je trouve qu'il est intéressant dans la gestion diplomatique, il est vraiment plus poussé. Après tu fais ce que tu veux. Hein. Mais bon, c'est dommage parce que moi, ce que je reproche à une partie de la communauté francophone, c'est qu'il y en a qui ont critiqué le jeu avant sa sortie. Bon, ça c'est toujours fait, mais j'ai vu dans un certain groupe, je dirais pas lesquels, des groupes communautaires, des propos qui étaient à la limite du racisme. Donc, voilà. Ouais, c'est comme ça. Hein. De toute façon, dès que c'est hors européen, ça y est, ça va pas, ça plaît pas aux gens, malheureusement. Je pense que les gens en Europe, enfin une partie des gens en Europe, ne s'ouvrent pas assez à la culture, quoi, aux cultures externes. Mais c'est la vie. Je disais qu'il y en a dans certains groupes, forums et tout ça, ils ont été un petit peu racistes à la sortie de Three Kingdoms, dans certains propos de ce que j'avais lu. Il y a pourtant, de ce que je me souviens avec Shogun 2, il n'y avait pas eu ce problème-là. Donc voilà. Alors, on a le plan Alex. Donc lui, on va essayer de se le faire. Alors, il va nous faire tellement de puissance d'émission. Alors, si j'en rajoute une, là, j'aurai 6 stations. Ça passe, logiquement. Voilà. Excellent. On aura 6 stations.
Ah bah les gens dès qu'ils ont pas ce qu'ils veulent hein, et je sais pas, j'ai remarqué un truc, c'est bizarrement c'était certaines personnes qu'ils ont pas eu qu'ils étaient fans, enfin c'est comme ça hein, qu'ils ont pas eu Medieval 3 Total War, qu'ils ont pas eu un Empire ou un Victoria Total War. J'ai toujours et j'ai remarqué ça, et que Nunez c'était mieux avant. Alors je suis désolé, Empire, il y avait peut-être de bonnes idées, hein, ok. Mais vu son comment il était buggé de chez buggé. Alors moi pour la je l'ai joué, bon j'ai joué 2 heures hein. Je sais pas grand chose, vous me direz c'est peut-être pas objectif, mais je me suis emmerdé quoi. Déjà les armes à feu, tout quand que des armes à feu ça m'emmerde déjà. Bah tiens, il ou Ivan. I'm thinking affirmative. Il est où? Je tire au lance-roquette dans le tas, tiens. Ils sont 5. Fine. After this, they won't be back. Allez, danse de la roquette. Il avait une compétence, je me souviens, qui était marrante. They don't stand a chance. Your henchman is in combat. Please behave. I think yet. Non, 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 non. Merde, bon, tant pis. Show you what a barracuda can do. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que j'ai de la puissance d'émission? Oui, je vais pouvoir améliorer le réseau. Que je voulais ici justement. Hop, c'est parti mon kiki. Donc là il va nous falloir encore agrandir. Je pense qu'on va peut-être faire une deuxième salle des trucs. Comme ça on pourra se mettre bien. Ouh, il y a du soldat qui va débarquer sous peu encore. On va peut-être augmenter le nombre de sbires, ça peut être utile. You're running out of gold. Yes. Fine. Il y a 5 soldats qui débarquent, c'est les soldats du Smash. Là, on va attendre qu'il se pointe. Donc là, on a rechargé déjà. Affirmative. Eh, mais arrêtez d'effrayer les gens, vous. Oh, les pauvres. You will eat it. What do you mean? You know. I found that into the path. What next? Ouf, on a eu chaud. On va rapatrier notre Ivan au sanctuaire pour se soigner. Bon, la petite référence de Terminator aussi. Ah, I'll be back. Research has been paused. Donc là, si on rajoute juste 2 casiers, on va monter à 100 sbires. Bon, on va le faire tout de suite. Not enough gold voilà. To complete this construction. Sans sbire, hop, ça sera déjà ça de prix. Donc là, les prochains, ce sont des enquêteurs. You're running out of gold. Il fallait terminer combien de nouvelles recherches au cas où, par curiosité. 3, il faudrait qu'on ait 2 butins et 2 types de sbires supplémentaires.
Voilà. On va déjà faire des plans annexes de butin, ce sera déjà un début. Et ok, et maintenant on voit qu'avec les temps, les réseaux améliorés, on peut... Déjà ça augmente nos revenus de 10, c'est toujours ça de prix. 30 toutes les 5 secondes, donc ça fait que sur une minute, ça fait du 30 x 12, ça fait... Edge of Bronze, c'est un mode... Gothi. Ah ouais, moi il y a un excellent mode que je peux te conseiller sur Rome 2, c'est Divided Impera. Il est très complet, il renvoie beaucoup de choses. Hop là. Donc là on est plutôt pas mal. Research has been paused. Ah ouais, il est très bien Divided Impera. Il y a 5 enquêteurs ici. C'est plutôt pas mal. J'avais fait une campagne il y a très longtemps dessus, mais regarde des campagnes plus complètes. Il est très complet, il rajoute des nouvelles ressources. T'as un système de recrutement local selon les régions du monde, ce que je trouve vraiment intéressant. À certains stades de ville. Ça donne vraiment un gameplay unique, quoi. We will crush them. Yes. C'est quand vous voulez, les gars. Il est gourmand, Gotti, je vais pas te le cacher. Moi avec mon PC je pourrais largement le faire tourner, mais franchement si t'avais un un bon PC t'as moyen quoi. On les tue tous jusqu'au dernier. Ah, des agentes du Hammer. Les vilaines. On a un scientifique qui se repose ici. Bon, ça fait déjà bientôt 3 mois. 3 mois qu'on est sur le jeu. Enfin, ça va faire 3 mois, ouais. Salut Nobu, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? You're running out of gold. Maybe spend less or steal more. Alors, maintenant que vous avez... On va examiner les archives. On continue le mal avec le camarade Ivan le Rouge. Ah oui, ça va, Loubou. Je suis mort une fois en début de partie, mais après, là, ça va un peu mieux. Bon, je perds beaucoup de millions à un moment, mais là, je suis en train de faire des technologies pour essayer de me renforcer. J'avance un petit peu. J'ai construit un petit sanctuaire à notre camarade Ivan, qui s'entraîne à faire sa propagande siginienne, hein, tu sais, la fameuse propagande. J'ai récupéré aussi un de ses ours. Son ours apprivoisé, hein, son camarade. Une petite lampe sur pied, un petit bonnet, son ancien bonnet béret. Et je lui ai aussi trouvé son couteau. Donc c'est la fête, hein, on va pas se le cacher.
Là, je suis en train de m'avancer un petit peu dans le jeu. Ça se passe plutôt pas mal. Donc, il se peut que... Alors, demain, je ferai Three Kingdoms. Je continuerai la campagne avec Liu Lian et Liu Zeng. Et peut-être que lundi après-midi, c'est pas encore sûr. Je ferai peut-être une heure ou deux sur Evigenia. Je ferai une petite session supplémentaire. Mais franchement, ce jeu, il est top. Après, c'est pas encore confirmé pour lundi. Je préfère prévenir en avance. Et mon homme de main... Oh, il s'est fait blesser une ou deux fois, mais il se débrouille plutôt pas mal. Lui, c'est vraiment... Et il dégaine plutôt pas mal au niveau pistolet. Là, je suis en train de faire des plans annexes pour être tranquille. Vous avez trouvé une référence à un cochon volant créé par la technologie Ludo Technologies. Enquêtez sur eux sans modération. Il est où ce truc là que je pleure? Ah, il est là. Il nous faut un réseau de criminels de niveau 2 ici, c'est ça? Oh, yo yo. Ça fait que je vais devoir virer deux réseaux. Bah, je vais virer lui. Et lui. Comme ça, j'en rétablis un là. Alors, est-ce qu'on a des enquêteurs dans le coin? Pour l'instant... Oh, ils sont là, ils arrivent. Ils sont combien? Là, va, cet enquêteur, tranquille. On va essayer de les distraire un peu, il y a tellement d'agents en ce moment. Look out and distract that intruder. Ok. On essaie de regarder un petit peu leur détermination aussi. On essaie de distraire cet homme, cet enquêteur. On va voir ce qu'on va le refaire. Et voilà. Bon, il y en a une qui va repartir. Déjà, ça, c'est cool. Il est ni connu. Établir de nouveaux réseaux criminels 7 sur 10. Ok. Il nous manquerait quoi? Ah, il nous manque de la puissance d'émission. Ça, c'est chiant. Là, ça me sert plus. Je vais tout de suite l'améliorer, lui. Comme ça, je vais attaquer ce laboratoire ici. Your minions are in combat. Oh, oh, où ça? An intruder is in the lair. What do you mean? That's what you pay me for. I've seen something that's tougher than these. Bon, on ramène les gorilles à la matraque, hein.
Ils sont nombreux là. Oh. Allez, dégaine un pistolero. Et lui, on va tenter de le capturer dès que possible. Why is this intruder free? Capture them if you see them. Donc ok, une petite portion de barre, c'est 5 points de vie. Yeah. Un petit coup de main, Ellie. Les touristes disent, mais qu'est-ce qu'on fout là? I need to stay fresh to stay frosty. Il va regagner ses stats, qu'est-ce qu'il va faire? Je veux voir un peu comment il se comporte. Ok. Let's go, ce sera notre action. J'aime bien la tête qu'il a, et Barracuda Junior. Ah, il va rentrer là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ok. Les sbires entreposeront leurs biens dans des casiers bien ordonnés situés sous l'hyperspace qui augmentent la capacité de la base. Ok, ça c'est très bien. Donc là, on a la capacité niveau 2, ce qui fait qu'on monte à 100 sbires, ce qui est plutôt correct. Je vais continuer à leur voir dans la gestion. On a 100 sbires. Alors, les gardes, déjà, on va les monter à 10. Eux, ils sont déjà 10. Tu vas me rajouter 2 techniciens de plus et 2 scientifiques de plus. Comme ça, on aura la moitié de nos sbires en ouvriers et les autres, ils seront bien répartis. Je pense que ça va le faire, hein. Alors, l'attaque du laboratoire, ça se passe comment? Ah oui, lui, je l'avais zappé, l'agent que j'avais capturé. Je vais attendre que sa détermination baisse et on va tout de suite l'interroger pour lui foutre des tartes et lui faire comprendre qu'il nous a peut-être retardé, mais ça va le faire. On va s'en sortir. Alors, ça fait mal? Oh, ça doit faire mal. An interrogation has succeeded. There's an opportunity on the world stage. Bon, c'est pas mal. Allez. Je vais essayer de monter à 100 sbires avant la fin de cette session. Alors, voler la formule de la boisson. C'est quand vous voulez, les gars. Donc là, je suis en train d'essayer de faire un plan annexe de butin. Là, la cantine, elle grandit bien. Alors, les recherches. On va essayer de faire des recherches supplémentaires ici. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? A trap has been triggered. Euh...
Fléchettes empoisonnées. Ça peut être marrant, ça. Des fléchettes empoisonnées à un moment. Ok. You're running out of gold. Maybe spend less or steal more. Combien ça va me coûter ça? 62 trucs, hein. Mais en vrai, je vais le faire tout de suite. On va voler un cochon volant. On aura tout fait, hein. Ouais, ça se passe comment? On a 35 sur 50. Research has been paused. Bon, avec les fléchettes, on va rigoler. Hein. Allez, les sbires, c'est quand vous voulez. Research has resumed. Si je devais faire une seconde pièce. De salle de contrôle, je leur mettrai plus dans le fond de ma base, comme ça sera pas emmerdé. Ça y est, on va monter à bientôt à 100 gars, à 100 sbires, ça sera un autre succès team qu'on aura débloqué ce soir. C'est cool. Tiens, je vais voir combien on recrute des sbires là, à la seconde. Donc 10, 20. Ah, on a 9 domestiques sur 10, ça se passe plutôt bien. Research has been paused. Donc là, dans moins d'une minute, on aura les travers d'un port. Ludo Technologie conserve son cochon volant dans un entrepôt. Osbier n'ont plus qu'à s'emparer du Research truc. Has resumed. Quoi? J'ai raté, c'est ça? Oh non. Ah, c'est dur, là. Rendez-moi mon cochon. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'autres gars qui viennent, c'est cool. Donc là, il est Barracuda, il est à fond de ses stats, là, c'est plutôt pas mal. Il va prendre l'air. Trois enquêteurs qui se pointent. Je vais attendre qu'ils rentrent, on va essayer de les piéger. Ok, ils sont trois. Ah, il y en a qui a pris un coup sur la tronche. Tuez-les tous. C'est Jenny vaincra. Allez, oui, c'est Jenny, Ivan. Vas-y, go, 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 tout le monde. On leur fonce dessus. Allez, je sais. Alors, est-ce que j'ai fait des trucs spéciaux ou pas? Ah bah, j'ai complété un deuxième projet de recherche. J'ai récupéré 2500 dollars. Je dois exécuter un domestique. Ok. Alors, il est où le domestique? Recherche terminée. Fléchette empoisonnée. Cool. Aussi raide.
Alors, il y a où le domestique que j'ai le plus proche là? Tiens, toi là. Allez, on va recommencer, on va pas lâcher. J'aimerais au moins faire un de ces plans annexes de butin. Salvatore lundi. Récompense. Bon allez, let's go. On va le tenter aussi celui-là. Ok, on a exécuté le domestique, on récupère 3000. Les enquêteurs arrivent en groupe de 5 encore. Voilà, j'ai pas trop étendu ma base, pour le moment j'évite. Je pense que je vais cumuler juste pour construire une seconde salle de contrôle. Ça pourrait m'aider ici, hein. Une seconde salle de contrôle. En plus l'accès sera très restreint. Allez, premier butin. Le nouvel élément est à l'abri dans votre base. Accédez aux objectifs. You went to all that effort to capture a flying pig, and you're telling me it was a ride? Oh, putain. It's not your fault, boss. All the mentions in the newspaper were really ambiguous. Oh putain, oh la petite cliché. Oh putain. This isn't over. We'll find new sources, conduct new raids, engage in new... Are you even listening to me? Sorry, boss. It's just that the ride does look kind of fun. And the line's getting kind of long. Fine. Ride it all you like. Let's just never speak of this again. On. Ok, premier butin d'acquis. Alors, le second maintenant. On va le préparer pour déjà pour la prochaine session de stream. Alors, que je fasse pas de conneries, c'est ça. Trois fois rien. Non. Donc, lui et lui. Optional objective complete. Alors, vous imaginez tout ça pour un cochon, quoi. Il y en a qui s'est fait gauler. There's an intruder here. Kill them. On va le capturer, lui. Voilà, on cumule pas mal d'argent. Je pense que je vais quand même refaire plus de trucs d'infirmerie là. Attends, si je te déplace là, toi. Attends, ça coûte combien? Ah, ça coûte si cher que ça. Bon, on va l'annuler lui. Voilà, on va monter à 3 unités, ça sera pas mal. Et là, on va tout de suite prendre un nouveau plan annexe. You tell me about the sands of time. Oui, on appelle ça un plan d'un long plan d'âme. Je crois qu'il va sur lui. Vous là, parlez-moi des sables du temps. Well, some say time is like a river, but I know different. It's a bunch of sand in a large hourglass. Ok. I know what they are. You imbecile! But what I want to know is how do I get my hands on them? Oh putain. They're an ancient and mysterious artifact, missing for centuries. Tracking them down will be difficult. Well, you better get started, because if you don't find them, your time might just run out.
Ok, terminer le projet de recherche, le temps qui court. Alors, je pense qu'il y a un petit clin d'œil au jeu Prince of Persia, les gars. Je pense que là-dessus, vous serez d'accord. Du coup, oh, là, on est plutôt pas mal niveau argent. Hein. Alors, par contre, les fléchettes empoisonnées, on va les mettre comment ? On va les mettre là. Ouais, on va se marrer avec ce poison là. Ils vont se prendre des gants de boxe en arrivant. Ou alors, attends, j'alterne, tu sais quoi. Je le déplace. Et là, hop, petite surprise. Ah non, il voudra pas. Bon, c'est pas mal. Alors, on me dit qu'on a un truc dans la salle des coffres à mettre ou pas ? Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. Si je le mets là. Oh putain. Tu sais quoi, j'ai une idée, je vais le foutre, je sais où je vais le foutre. Je vais le mettre dans le truc des gardes là. C'est un mal, je suis trop dans les surfaces. Ouais, c'est ça mon mec. Oh la honte. Oh putain, ils ont fait tout ça pour rien, les pauvres. Oh, il doit les détester, Ivan. Moi, je serais à sa place, je le comprendrai. Bon, on va commencer ce projet de recherche aussi. Alors. Bah, au moins, le point positif, c'est qu'on se fait du pognon. Là, je veux juste essayer d'atteindre les 100... Les 100 sbires là, ça serait cool. Allez, 97. A trap has been triggered. Bon. Chopez-la. Time to earn my key. Yes. Et vous êtes 10 les gars, punaise, bah merci à vous pour cette fin de stream. Là je pousse un peu, c'est juste pour essayer de faire des bonus. Ok, allez, on tabasse. Voilà. Au moins tu mets le 0,5 au manège, c'est parfait, c'est ça. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'utilise ou pas? Bon, là, le projet de recherche il est à 40%. Allez, qu'on s'arrête sur la note des 100 sbires, ce serait cool. Oui, 100 sbires, ça c'est beau. Il nous fait un 16e succès de plus. Donc là, le temps qui court, on a 48%, c'est plutôt pas mal.